Ah, du saumon, des pommes de terre. Ah ouais. On est prêt pour une recette entre terre et mer? Moi aussi. Pour nourrir 4 fins gourmets avec notre salade de princesse Amandine au saumon, il nous faudra 280 g de pommes de terre princesse Amandine. Ah oui, c'est très précis. 200 g de saumon fumé, 15 centilitres de crème fraîche allégée, une demi-botte de ciboulette, du gros sel, du sel fin, du poivre. Et honneur aux dames, on commence par nos princesses Amandine. Tu parles de moi, Ouais? Ouais, ma chérie, ouais. On les plonge dans l'eau froide. On ajoute du gros sel. Et quand ça arrive à ébullition, on laisse cuire pendant 20 minutes. Vous les sortez gentiment de l'eau et vous laissez refroidir. En attendant, vous pouvez aussi faire autre chose comme couper le saumon. Ciseler la ciboulette ou on peut appeler mamie. Alors. Oui, mamie, c'est moi. Ouais, ça va très bien. Bah oui, ça va très bien. Ouais, là, on est en train de cuisiner, donc j'en profite, oui, pour t'appeler un petit peu. Ouais, j'espère que tu vas bien. Mais oh, attends, ça refroidit. Attends, ça refroidit. Attends, oui, ça va. Oui, très bien. Oui, attends. Oui, ma chérie. Oui, je te passe la petite fille. Oui, voilà. Moi aussi, je t'embrasse. Oui, je t'embrasse. Bon, on en était où? Oui, quand vos princesses Amandine sont froides, vous les épluchez. Vous les coupez en petits morceaux. Vous les déposez dans une assiette. Vous ajoutez un peu de crème, le saumon que vous avez coupé, un peu de ciboulette que vous snackez, un peu de sel, un peu de poivre. Et voilà, ça y est, vous êtes à bon port et vos invités aussi. Régalez-vous et à bientôt pour une nouvelle croisière culinaire. Oui, ma chérie, oui, on va à la mer, mais d'abord, on va manger tous ensemble, d'accord?